Bonjour à vous, chers viewers, je suis Requinze et je suis de retour. Bon, comme d'habitude, ça fait encore une fois que je disparais. C'est la troisième fois. Mais cette fois-ci, c'est fini. Il n'y aura plus de disparition. Non, c'est fini. Alors je sais, cette vidéo est très longue. Moi, je vous le conseille, regardez-la jusqu'à la fin. Elle est très drôle, il y a de l'humour, du RP, de l'action, il y a de tout. Du divertissement. Du coup, dans cette vidéo, nous sommes avec mon cousin, Modi. Salam alaikum, c'est la salle de bain. Et aussi en compagnie de notre ami Varro. Ouais. Une équipe de bras cassés. Mais ça va, dans cette vidéo, on n'est pas taré, on a respecté les limites de la décence. Vidéo, nous sommes avec... Non mais les gars. Les mecs, le petit séché. Comment... qui fait dans sa tête, dans son fond de la même pense, hein, qui compte bien y faire carrière. Ah bah non, en fait. Putain, Body, comment tu fais pour vraiment être impressionnant? Ah, bouffe les couilles de ma cousine, voilà. Oh, t'es prêt pour ton travail! Séché! Sec! Sec, 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 tili, tili, tili. Est-ce que tu connais. Oh putain! Avenue! Est-ce que tu connais Bip? Ah ouais, non, là. Frère, on aura tellement, ça va être incroyable. Attends, est-ce que t'es prêt? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire un police voleur, hein, ça pourrait être pas mal. Vas-y! Vas-y, attends, vas-y, on vendra mon truc de drogue plus tard, là. Allô, Nancy. Oh putain, Requinze. Oh, la cité. Oh, elle est démarre, mon pote. Torse nu. Voilà. Vas-y, on va lancer le police voleur dans le nord. Après, il y a 67-789. C'est le numéro de ta daronne, fils de pute. Oh. Non, c'est pas ça. Elle habite pas dans le 60. Elle habite pas dans le 67, désolé. Tu peux nous le dire du coup, ça je l'écris. Clashé. Eh Varro, t'as vraiment une coupe de balle très bien. Alors toi. Regarde ses sourcils s'il te plaît gros. Oh, ils sont en dessous de ses lunettes ou. Toi t'es mort toi. Ah dis que ta mère. Bon c'est qui le policier, c'est qui le voleur? C'est moi. Oh Jackie, hein, comment ça. Moi c'est Patrick, c'est terminé. Ah ouais, salut Patrick, ça va? Ça va, toi, là, je prends une petite moto, je t'attends. Hein. Patrick Bruel! Ouais, d'accord, pas de problème. Non, vas-y, je prends une petite moto aussi. Non, c'est Jackie de la rue. Jackie de la rue? Oh, bah. Ok, Patrick. Ok, Patrick en patrouille, terminé. Patrick en patrouille. Patrick en patrouille! Jackie en patrouille. Ok, dans toutes les unités, y'a des trucs qui prennent feu. Quelle route? Près du camp du tente. J'arrive. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bonjour monsieur. Bonjour. Oh la pute, elle me fonce dessus. Faut pas descendre dans le véhicule. Bonjour monsieur. Quelque chose... Un petit contrôle d'identité. Alors là... On va se monter. Bonjour monsieur. Mais que... Ok, on m'informe que Patrick et Jackie ne répondent plus. Patrick est en train de contrôler un noir. Je pense que c'est lui le suspect. Terminé. Ok, bavure policière. Autorisation autorisée. Ok, c'est commandant Brian. J'arrive à toute allure. Terminé. Ah là, il est sûr. Pourquoi ça marche? Ah. Il faut que tu restes appuyé sur le bouton quand tu parles. Terminé. D'accord, j'ai compris comment ça marche. Oui, du coup, c'est qui elle, pareil? C'est Pierrick. Pierrick? Ouais. Bah, vous êtes où là, comme de vos mères là? J'essaie de réquisitionner des véhicules, mais j'arrive pas, ils sont tous peur de moi. Ici, lieutenant Brian, j'arrive au lieu du crime, terminé. Si Pierrick, j'arrive tout de suite. Oh, je me suis pris un muret. Mais t'es con, je t'avais dit de pas voir quand tu vas au travail. Mais ça te sort comment le passif dès le matin?
Ouais, mais t'envoies un, pas 7. C'est toi devant moi. Ouais. Oh merde, pas vu, excuse-moi. Excuse-moi, Patrice. Vas-y, j'y vais, je t'attends là-bas. C'est Pierrick, pas Patrice. Mais fais gaffe, je sais pas comment ils sont morts. Ah, oh, d'accord. Alors, sors un pistolet au cas où, parce que là, c'est dangereux. Putain, on a un pistolet automatique, c'est de la merde. Fais attention. Oh, là-bas. D'où il a ça, lui? Attends, mais c'est pas censé être à nous, ce véhicule. Monsieur, comment vous avez eu ça? Ok, merci de répondre. Patrice, je suis à terre. D'où il a eu ça, lui? Envoyer des renforts. Ah, l'armée s'il le faut. Comment t'as eu ça, toi? T'inquiète. Central a envoyé toute une armée, terminée, le suspect est extrêmement dangereux, terminé. Ok, nous avons tous les commentateurs, je te répète, tous morts. Ok, je me suis fait rouler dessus par une voiture. J'ai récupéré la voiture qui m'a roulé dessus. C'est bien. Je vais écraser le mec. Ok, et si Jean-Louis, je pars en patrouille. Moi, c'est Skinhead. Ok, Skinhead. Enchanté de faire ta connaissance. Tu t'es rasé la tête? Ok, ils sont en train... Ah! Il est pas au même endroit! Ah, enfin, okay. Je sais pas, j'ai pas compris. Je crois qu'il pouvait me voir de... Ah non, c'est lui qui est devant moi, là, en fait, je le vois. L'enculé! Skinhead! Central, suspect dangereux, autorisation autorisée de le tuer. Autorisation autorisée. Qu'est-ce qu'ils sont nuls, ces flics? Oui. Je suis tout dans le camp qui tente. Je te rejoins. C'est toi qui tire? Ouais. Il y a une explosion. Central a trouvé le véhicule du suspect, plaque d'immatriculation 40M0Q089, terminé. Deuxième explosion. Par contre, il y a une bagnole qui a explosé juste devant. Mon camion! Ça me tire dessus! Suspect repéré! Suspect abattu! Je répète, suspect abattu! Ok, maintenant je retourne en France! Vas-y, je vais voler! I am dead! Je vais juste poser mes armes! Et on y repart! Hein? Mais sur la tête de ma mère, dans mon écran, j'étais pas sur toi. Mais jeu de merde. Salut collègue. Salut collègue, ça va? Ah, tranquille et toi? Ouais, ça va. Tu t'appelles comment? Alain. Alain? Ouais. D'accord, à loin. Bon, pas à de loin, Alain. D'accord, Al. Bon, je vais partir en patrouille pour voir s'il y a pas des petits casses aussi qui foutent le bordel. Hein. Vas-y, pas de problème. A tout à l'heure, tu es... T'escortes en moto. Vas-y, escorte-moi comme une salope. C'est parti. Ok, je vais tout déléguer. Oui, à l'autre. Ici le colonel Jean-Eude de la Froide. Je tiens à signaler que le moindre truc, le moindre suspect, vous devez être méchant avec lui. Très méchant. T'as terminé. Maréchal des logis chef. Ah, il est un peu chaud le petit là, non? Allez, faut qu'il... Ouais, t'as entendu, collègue? Ouais, j'ai entendu, il est un peu bizarre en plus. Ouais, le patron il est un peu sur les nerfs en ce moment, je crois. Il est un peu chaud, hein. Ouais, il est sur les nerfs. C'est là, t'habites où, toi? À Saint-Armand-les-Hautes. T'as une femme? Non. T'as une sœur? Ouais. À quel âge? 26 ans. Et c'est carré. Elle habite où? Pas loin. Comment ça? Quelques mètres. Comment ça? Ouais, tu commences à me soulever avec tes questions. Tu peux me ramener chez elle, s'il te plaît? Je dois lui poser une question. C'est important. Ah bah, je t'ai vu, collègue. Vas-y, ramène-moi chez elle. Collègue! Putain, on n'est pas là pour faire ça. T'as pas compris? Allez, s'il te plaît, c'est pour le travail. Oh là là, les PNJ sont excités, là, je te le dis.
Chut, ah là, tu m'entends? Ouais, je te recherche à 5-5. Chut, tu vois pas, y'a un mec qui passe en... avec une moto rose pétasse. Il était habillé tout en rose comme une petite salope. C'était pas pincé? Il avait un scooter? Non, une moto. Une vraie moto. C'est un biker? Non, non. D'accord, bah, contrôle-le. Il est à la station essence. Laquelle? Station essence. Laquelle? Il y en a deux. Celle au milieu. Putain, c'est fermé. D'accord, j'arrive. Je vais mettre le plein. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous avez une jolie moto? Merci. Très belle. C'est une quoi? C'est une Skibidi CDI. T'es pas autorisé de fumer juste à côté d'une pompe à essence, hein? Ah oui, merde, c'est vrai. Non, putain, t'es complètement con. Eh, moi, ce soir, je dois bouillir la soupe de mon collègue. Là. Tu vas pas me tuer la collègue, là. Putain, il est là. Ah, collègue, t'es là. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que t'as dit sur ma soeur, la radio, je suis à côté de toi, cassé. Qu'est-ce que t'as dit sur ma soeur? Sur le coron de la main. Bon. Ok, à toutes les unités, merde, il est mort. À toutes les unités, nous avons un jeune de Street Zer habillé en violet de type salope, sans casque, qui a volé la moto du collègue chauve qui veut pas me passer sa soeur. À toutes les unités, il faut le retrouver. Tu veux pas de chose, t'as rabbé. Qui est là? Bah attends, t'as tourné, mais t'as disparu. Ah bah je me disais que t'as tourné. Pas vu. Monsieur, arrêtez-vous, au nom de la loi, la forêt. La forêt, qu'est-ce qu'il y a avec la forêt? Je peux pas, vous allez m'en... Ouais, je me tiens dessus, fou. Alors là... Putain, je t'ai perdu. Ok, Alain, t'es toujours là? J'ai fait m'arracher la gueule. Explosé. Oh, fou. Oh. Non. Pas ça. J'ai crevé les pneus. Pas de me tuer, mais de... Oh, c'est horrible. Alain, t'es où, là? Troisième route. Et les routes du... là. Il a volé une voiture. Oh, l'enfer. J'ai tué Pedi. Monsieur, bavure policière. Ah. Route principale. Il a plus de pneus. Ah putain. Il est là. À la voiture de merde devant nous là, il a plus de pneus. Ah pourquoi t'as une voiture, on dirait un aspirateur, ou là. Regarde la voiture qu'il a pris. J'avoue qu'on dirait un putain d'aspirateur. Arrêtez-vous monsieur, je vous tue là putain. Mais alors lui là c'est bon, je le fais. Oh, Alain là. Chut, à toutes les unités, nous avons un nouveau chauffe de type grise familiale. Oh, il lui a tiré dessus, il faut qu'on l'extermine. Ah, allez, ah, collègue, accélère avec ta voiture de Superman Smart. Alors quoi? Adieu. J'ai quoi? Attends, j'ai tué vers où? T'es dead. À quel moment? Bah, tu vas t'arrêter là, salope! Putain. Rockaise? Maudit! Mais qu'est-ce que tu fous là? Bah, je travaille de nuit aujourd'hui. Ah, moi aussi je travaille de nuit. Ah, là, okay, vas-y, bien. Vas-y, on va arrêter les petits brigantés. Vas-y, moi je pars déjà en pantrouille. Vas-y, oh, collègue. Attends, il y a une moto de vélo commissariat qui a fait des trucs bizarres. Ça commence. Attends, j'arrive, je suis derrière toi. Ok, il est parti, il est habillé tout en bleu. Je vais essayer de le suivre parce que j'ai pas trop vu ça. Ça a fait, non. Je crois que même que je vais l'arrêter. Enfin, je vais même clairement l'arrêter. Monsieur! Autre côté, s'il vous plaît. Pas derrière, collègue.
Bonjour monsieur, vous savez pourquoi je vous arrête? Non. Vous avez pas la tenue adéquate pour être sur une moto comme ça, vous avez pas de casque, vous avez pas de gants, vous avez présenté les papiers voilà. À la moto. Je vais mettre mon casque. Ah non, 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 tu descends de la moto s'il te plaît, parce que là je suis gentil avec toi, mais si tu veux pas que je me sente, descends s'il te plaît. Passe-moi tes putains de papiers. Bah là, ils sont là, tu vois. Ok, monsieur. Varo Gustavo. Je connais votre prénom, vous. Vous n'avez pas une sœur? Non. Ah, si, si, si. Elle a la même tête que vous. Des fois, quand je la bouillarde, j'ai l'impression que je vous vois, là. Bon, bref. Quoi? Quoi? Bah, vous allez prendre une amende parce que vous n'avez pas la tenue. J'ai pas entendu ce que vous avez dit, monsieur. Vous pouvez répéter? Tu veux répéter? Non, j'ai juste dit que vous avez une sœur qui est très très jolie. Ah ouais? Et que mon collègue qui est juste à côté et moi, on l'a plusieurs fois déchiré sur la table. Bon, bref, vous allez prendre une amende, monsieur Crivin. Non, mais vous allez. Tu t'es sorti de la moto, enculé. Oui, pardon. Je rigole, moi. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Ouais. Bouge pas. Vous allez prendre une amende de 3 700 € pour un emport du casque. 100 € pour les gants et 1 000 € pour la tenue. Non mais. Alors lui je vais. Putain, collègue, enculé. Ma postale. C'est pas moi. Alors lui je vous jure. Ils s'en foutent avec leurs 3 000 €. Il va se prendre mon pare-choc dans la gueule. À toutes les unités, centrale. Nous avons le Varo Gustavo attrapé. Oui, je parle bien de Varo Gustavo, sa sœur qui a fait tourner dans tout Comico. À toutes les unités, il faut l'arrêter. On va tourner à gauche sur la troisième route terminée. D'accord, pas de problème, j'arrive. Mais collègue, va baiser ta mère là. T'es pas roulé ce cassos. Ça me casse les couilles ceux-là, c'est cassos de collègue, la merde. Ah, il faut aller chercher sa sœur, je crois. Ah, il goûte à la table. Putain, je vais aller voir dans le Kanjitan là. Ah, vas-y, je te fais accélérer. Oh, le drift! Incroyable. Je vois personne. Ouais, RAS. Attends, je vais aller voir où il habite. Normalement, il habite dans la troisième route, c'est où tu l'as vu pour la dernière fois. Ouais. Il a une maison, il est tout le temps là-dedans. Peut-être qu'il y aura sa sœur. J'espère qu'elle sera là. Bon. Ah, c'est la maison. C'est elle, je crois. Ah, c'est pas elle. C'est à côté. Ouais, c'est elle, voilà, c'est celle-là. Il est tout le temps là-dedans, lui. Je vais aller toquer. Ouais, je connais l'entrée, à côté. Police! Madame Gustavo! Il est là, sa moto, il était. Il s'est pris un arbre! Sale clochard, va. Arrête-toi! Arrête-toi, sale trou du cul! Arrête-toi, je tire! Ah. Dommage que t'as pas vu quand il s'est pris l'arbre dans la gueule. Bah, ah, il était derrière, il klaxonnait, il faisait mal, il s'est pris un arbre. Bon, oh, c'est moi le voleur du coup. Centrale, mission terminée, on rentre à la base. Et va te foutre, putain de merde. Je suis coincé. Mec, ma voiture peut plus bouger, elle est coincée sur un rocher. Le cas, c'est suicidé. Ouais. C'est triste. Pour la raison du peuple. Ouais, c'est bon, je suis parti, moi. C'est une voiture qui prend feu. Quoi? Je t'ai pris la voiture qui a explosé. Oh, le camion! Oh putain, attends, je vais me prendre un camion dans la gueule, là. Ok, Jacky, c'est Patrick, du nouveau. Ouais, y'a un mec qui passe devant le commissariat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé la grille, il a fait des dérapages sur un parking. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Rapide. Alors lui. Mais ma porte elle est fermée à clé, comment t'es qui toi pour l'ouvrir? Papier du véhicule s'il vous plaît. Quoi? Ouais. Papier du véhicule.
Ouah. T'as pas le droit d'utiliser le lance grenade, à part si c'est... Central, suspect, dangereux, avec cocktail Molotov, autorisation de viser les pneus. Ouais. Et de, et de le tuer si jamais il ressort une arme. Mais non! Dégage! PNJ à la con! Je l'ai perdu. Je crois qu'il était au milieu ou droit, je sais pas. Central, suspect avec une voiture orange, écoutez Molotov, armé, perdu de vue, terminé. D'accord, ça marche. Ok, Jackie, je vais aller voir au camp de Jipan. Ok, pas de problème. On a signalé. Ok. Alors lui par contre qui nous klaxonne, je sais pas qui c'est. Tu l'as aperçu? Bonsoir monsieur. Vous êtes qui? Y a pas à klaxonner comme ça en fait le soir. Je sais pas si vous savez. J'ai dit y a pas à nous klaxonner comme ça. Tu klaxonnes si je veux, si tu me fais le chapeau. Non, non, monsieur, y'a pas klaxonné. Vous pouvez me montrer le papier du véhicule, s'il vous plaît? Monsieur, on va voir le papier de la moto, s'il vous plaît. Ah, venez, venez, venez. Alors, le papier. Là, je les cherche derrière le bureau. Putain de merde! C'est quoi cet enfant de merde? J'arrive pas à frapper! C'est quoi cet enfant de merde? Le mec qui a battu deux parties dans le crâne, il traite pas gros. Il m'a même pas touché. Voilà de la merde cet homme. Attends, je te ramène la moto. Le suspect a été appréhendé. Le suspect est appréhendé. Explose tout comme ça, même les voitures que vous avez comme ça, elles respawnent. Ah oui, c'est vrai. Bah mais c'est pour ça que tout à l'heure avec vos les motos violettes, la moto rouge pardon. Ouais, ou même enfin, les moto de bah moi, ça rejoint au flic que j'ai beaucoup fait un refus, je l'ai trouvé. Ah, attends. Rien compris. La voiture de flic, elle a été sur un rocher, après il l'a explosé. Ouais, voilà, je l'ai explosé. C'est qui fait le voleur? C'est moi, non? Je sais plus. Oui. Carré. Je savais que t'allais sortir une arme en plus. C'est pour ça que je m'attendais pas à un fusil à pompe de merde. Non, mais grosse cassos de ton collègue là, je mets une bastos dans sa mienne, oui. Ah, normal, hein. Ah bah c'est le bon cher. À toutes les unités, est-ce que vous m'entendez? Il y a quelqu'un dans mon unité là? Merde, j'ai pas allumé la radio. Oh putain. À toutes les unités, est-ce qu'il y a quelqu'un sur la radio? Ouais. Tu t'appelles comment? Je m'appelle pas. D'accord, pas. Moi je m'appelle Pluie. D'accord, parapluie. Parapluie, voilà, je connais les bachacals. Vous êtes où là? Devant le gros coq géante. Chut, j'arrive. Le gros coq géant. Bonjour collègue, vous faites quoi là? Je contrôle la circulation. Ouais, je vois ça. Je me présente. Je m'appelle Pluie. Ouais, parapluie. Je suis de la section criminelle de Los Angeles. Bienvenue dans le petit village de Bouzeux. C'est quoi ce véhicule là qui passe à côté de nous là? Oh sa mère! Oh alors lui. Ok à toutes les unités, nous avons un suspect de type suspect. Eh j'ai plus de véhicule. Il est là, tire-lui ici, tire-lui ici. Ok je le prends en charge, je le prends en charge.
Oh là, comment tu vas arrêter ça? Lance-grenade, lance-grenade. Voilà, bien joué, collègue. Bien joué, mon collègue. Mon RP, il a duré 10 secondes, puis j'avais explosé pendant la voiture. Ça sert à ça, le lance-grenade. Bien joué, collègue, bien joué. Je suis fait appréhender. Bah, la route, elle vole. Hein. Vas-y, mets-la dans le coffre. Ok, à toutes les unités, nous avons une Ferrari de type couleur. Je sais pas si c'est un bleu ou un vert, mais je crois qu'ils viennent de mettre une personne dans le coffre. Est-ce que vous m'entendez? Je t'entends 5 sur 5. Ok, on va essayer de suivre la voiture et de voir ce qu'il fait. Je pars en voiture, une route du milieu. Toutes les unités, le suspect s'est arrêté exactement où sa sœur habitait tout à l'heure. Bah merde. Ou la fille de Gustavo, la sœur de Gustavo. Donc ça doit être quelqu'un de sa femme. Ok. Mais... ta mère. Et je crois qu'il a sorti une arme. Ah, il vient de rentrer dans une autre maison. Ouais. Dis au collègue. Ok. Ah, ok. Un peu bizarre qu'ils s'arrêtent à toutes les maisons. Hein. N'oublie pas que une dernière fois on a des collègues qui ont fait la même chose que nous et aujourd'hui ils sont morts. Ouais, mais j'ai pas envie de me faire tirer dessus parce qu'on me prend vie là-dessus. Putain. Ok, collègue, y'a du sang dans le coffre. Oh merde. Casse-toi. Casse-toi vite. En bas. Ok, collègue, y'a du sang dans le coffre. Y'a du sang dessus. Et la santé là-bas. Merde. Ok, à toutes les unités, nous avons un suspect de type habillé en Peaky Blinders. Je répète, Peaky Blinders. Il a foncé dans une autre maison. Et t'as pas de façon de le tuer. Ok, il est pas. Oh là, il est parti dans la forêt. Le bâtard, il m'a trouvé un pneu. Faut que je change de voiture. Arrête-toi! Il est sur la route pour... je sais pas où elle est la route, mais il est sur une route. Derrière le commissariat, où tu vas dans les... Oui, PDC, dans la forêt, je vois. Il s'arrête, c'est bizarre. Ah, c'est bon, là. Il est un peu crevé, il est un peu crevé. Arrête-toi! C'est mieux pour toi! Arrête-toi, c'est mieux pour toi. J'allais m'arrêter. Je te jure, gros, j'ai pas compris comment j'ai fait pour le tuer, mais j'ai tiré partout, il est mort. Bon, bah, suspect... Bah, j'allais m'arrêter, là. Ah, je vais regarder ce qu'il y avait dans le coffre. Putain, il a pas osé. Ok, collègue. Ouais. C'était la sœur Gustavo. Non. Putain. Si. Putain. Il l'a tué. Elle est dans le coffre là. Putain, elle est bonne. Attends, faut que je la déshabille. Oh là, putain. Non, ouais, elle est morte, frérot. Elle est découpée en morceaux. Oh non. Putain, chien. Je suis suicidé quand même. Ah, va niquer ta mère à m'écraser, tu vois. Mais qu'est-ce que tu foutais sur la route? Bah, je. Oui. Moi, je t'ai pas vu, j'ai pas le temps de te voir, j'ai freiné trop tard. Je joue à la vie. Désolé, j'ai freiné trop tard. Sois pas désolé, j'aime bien quand on rentre dedans. Oui. Des explosions. Explosion au commissariat. Mais où est le terroriste? Ah! Oh, c'est bien, là, mais... Oh, je me suis pris ta voiture dans ma voiture. Ah, j'ai tout vu. Viens ici, toi, sale chien. Oh, il est fanal, il faut le calmer. Enfoiré, oh, j'ai jeté 50 grenades et tu meurs pas. Ah, quand même. À vos souhaits, monsieur le président. Cette vidéo est terminée, j'espère sincèrement, avec sincérité, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo en masse, suivez-nous sur les réseaux, toi-même tu sais, tu connais les bails. La prochaine vidéo arrive bientôt, elle sera sur un jeu avec les mêmes personnes, je ne vous dis pas le jeu. Devinez en commentaire, voilà, allez essayer de trouver, voilà, c'est tout, c'est tout. C'est Domili, au revoir.